m'appelle Hugo et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ces 3 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, depuis la création de cette chaîne, je m'étais jamais vraiment rendu compte de l'importance d'un tel projet. Faire des vidéos sur YouTube, ça peut paraître tellement amateur, mais mine de rien, ça me donne un but et m'impose de toujours créer du contenu. En fait, ça fait plusieurs années maintenant que je bosse sur plein de projets différents, que ce soit cette chaîne YouTube, des projets professionnels ou personnels, j'ai toujours un truc à faire. Et finalement, je crois que je m'arrête jamais vraiment de travailler. Vacances ou non, week-end ou non, je bosse en continu et je crois que c'est autant dû à mon immense envie de réussir et ma peur brûlante de ne pas y arriver. Tous les jours sur YouTube ou même dans la vraie vie, je vois des créateurs qui ont la chance de pouvoir bosser à plein temps sur leurs activités. Et putain, qu'est-ce que je les envie. Vous savez, c'est dur de ne voir que la face visible de l'iceberg, que les côtés positifs de la réussite de tous ces créateurs sur le net qui font plein de projets de dingue. On se sent petit à côté, comme si ce qu'on avait fait, c'était encore rien. Je me demande si moi aussi j'y arriverai. Combien d'années ça me coûtera et si moi aussi je pourrais un jour réussir à vivre de ce qui me passionne. Mais à vrai dire, maintenant, j'ai plus 16 ans et j'ai même bien grandi depuis. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai même quasiment la certitude que je vais réussir et c'est pas par narcissisme ou par orgueil, loin de là, c'est par nécessité. Comment les gens voudront croire en moi si moi-même je n'y crois pas une seule seconde? Avoir de l'assurance, ça se travaille, et ça je peux vous le dire, hein, parce que je viens de loin de ce côté-là. C'est tellement important si on veut se démarquer, si on veut rêver ou même faire rêver. Dans mon cas, j'ai des objectifs bien précis et je compte tout mettre en œuvre pour les atteindre. Développer cette chaîne en fait partie. En fait, je crois que je commence tout juste à réaliser à quel point c'est important, non, à quel point c'est nécessaire d'avoir des projets, des buts qui guident toutes vos actions, et dans cette vidéo, je vais tenter de vous l'expliquer. En fait, ces 3 dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai quitté l'UT3 dans lequel j'ai passé un an et demi pour aller travailler en stage chez Naotech. J'ai rencontré en l'espace de 2 semaines Jérôme, Karina, Olivier Schmitt avec Mylène, Albert Dessoussine et Adelin, James de Studio Sushi, Quentin de Vectan Productions ou encore François de la chaîne Explique-moi encore et j'en passe. J'ai donné une conférence dans une salle de cinéma pour parler de vidéos. Je suis arrivé à Paris, j'ai changé de ville, d'appartement, de routine, bref, un tas de bouleversements qui m'incitent à réfléchir et surtout à comprendre comment j'en suis arrivé à de telles opportunités. En fait, si je fais cette vidéo, c'est par constat. Au fil des années et des rencontres, je commence tout juste à constater le nombre impressionnant de personnes qui ont envie de faire des projets mais qui n'osent pas par peur du jugement des autres ou encore des personnes qui aiment quelques domaines, mais n'ont pas le courage ou même l'envie de quitter leur routine. Ils se disent que c'est pas ça la vraie vie. Mais c'est quoi la vraie vie exactement? Quand on parle de cette réalité, est-ce qu'on parle du schéma classique d'études, de job puis de retraite? Est-ce que ça doit vraiment être ça la réalité? Consacrer les années de sa vie où on a le plus d'énergie à travailler pour économiser en vue du moment où on sera vieux et qu'on aura peut-être un peu d'argent pour en profiter? En tout cas, j'ai jamais été d'accord avec ça. Et s'il le faut, ma vraie vie, je vais la créer. Vous savez, si j'ai été accepté à mon IUT, c'est pas grâce à mes notes ou mon dossier scolaire. C'est grâce à ce projet, MS Design. Ouais ouais, c'est grâce à une chaîne YouTube. Si j'ai décroché ce stage chez Naotech, c'est pas non plus grâce à un diplôme, c'est grâce encore une fois à mes projets. L'autre jour, après ma conférence, j'ai discuté avec quelques personnes du domaine de la vidéo, et certaines d'entre elles m'ont même dit être impressionnées de se retrouver devant moi, car en fait, ils me suivent depuis des années et m'ont raconté parfois avoir été sauvés pour des projets grâce à certaines de mes vidéos. À ma place, est-ce que vous l'auriez imaginé une seule seconde que tout ça arrive? En tout cas, moi non. Je me suis retrouvé là, à 19 ans, à parler devant plus d'une centaine de personnes d'un domaine qui me passionne, la vidéo. Et sachez que si j'en suis arrivé là, bien que j'ai encore énormément de choses à faire, c'est pas par hasard, c'est pas non plus par chance ni par pistonnage. Si j'en suis arrivé là, c'est uniquement grâce à mon travail. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris au fil des rencontres, des années et des discussions, c'est le potentiel. Ce qu'un être humain peut accomplir avec ses mains et sa tête dépasse totalement ce que vous pouvez imaginer. Le potentiel de chaque personne est tout simplement immense, et ça, qui que vous soyez. Qui sait où le plus petit de vos projets pourrait vous emmener? En fait, je pense à tout ça à cause de ce qui m'arrive en ce moment. Qui aurait pensé que MS Design aurait eu une telle ampleur dans ma vie? En fait, ce que j'aimerais, outre partager ma passion pour la vidéo, ça serait de pouvoir vous entraîner avec moi. J'aimerais pouvoir vous donner envie de lancer des projets, peu importe ce que c'est, de la vidéo, du piano, j'en sais rien, mais c'est tellement important. Et ça, tous ceux qui ont vraiment démarré un projet pourront vous le dire. J'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est le partage. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, en retour, ce quelqu'un va s'intéresser à toi. Et c'est de là précisément que naissent les collaborations, les ententes, les partenariats. Et puis même, s'intéresser à quelqu'un par curiosité, c'est juste tellement enrichissant. J'ai acquis la conviction que donner aux autres est un sens primordial que j'aimerais apporter à ma vie. Et c'est pour ça qu'avec cette chaîne YouTube, je vais continuer à créer gratuitement des vidéos qui me font vibrer, à partager ce que j'apprends et vous pousser à créer, réaliser et développer des projets. Alors comme on l'a dit la dernière fois avec Mathieu, sachez que l'aventure ne fait que commencer. Pour ma part, je remercie infiniment toutes ces personnes qui m'ont tellement inspiré, que ce soit dans la vraie vie ou sur YouTube, comme Greg Zway, Olivier Schmitt, Simon Puech, Adelin, Jérôme ou encore Efkan, je pourrais en citer tellement d'autres. Personnellement, je vais continuer de créer du contenu, de me dépasser et de vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes les unes que les autres. Et j'espère sincèrement que cette aventure nous emmènera le plus loin possible. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et cette vidéo me tenait vraiment à cœur. En tout cas, préparez-vous pour la suite et je pense que je finirai là-dessus. Libérez vos idées parce que le monde n'attend que vous.